Déjà, on s'appelle U, ça commence très mal. Et bien, salut à tous, c'est Nasux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la découverte du jeu Pine, qui est, on va pas se le nier, une bonne grosse copie de ce qu'est Zelda Breath of the Wild. Mais, parce qu'il y a un mais, ça a l'air pas dégueu. Découvrons ça ensemble. Je vais vous passer un peu les dialogues parce que j'ai pas envie de faire les doublages. Je pense qu'il y a beaucoup de dialogues. Pour qu'on aille demander des matériaux pour la construction de la cabane, on a des points juste ici. Bonjour. Vous allez la pendre? Ah non, putain, j'ai cru qu'il y avait une corde autour de son cou, genre comme ça, vous voyez. Je me suis dit, putain, ils vont la pendre, mais pas du tout. Il nous manque un peu de ressources pour la cabane. Donc, ils sont en train de construire une cabane dans les arbres. Il manque du tissu souple et de la corde de bois. Bonjour. Il a pas le temps, donc il nous propose de le crafter nous-mêmes dans idée. Hop, voilà, hop. C'est bon pour la corde. Maintenant, le tissu souple. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau? Ouais, ça va. C'est pas fou, mais ça va. Au moins, il peut. Je pense qu'il va falloir que je le craft, vu qu'il y a du foin. Et de la mousse. Ouais, c'est bien ça. On craft aussi le tissu. Et on va aller donner ça pour la cabane. Graphiquement, c'est plutôt joli, je trouve. C'est vraiment pas mauvais. Ça a son style. Vous pouvez ramasser quelque chose, c'était quoi? Grand cône. Ok, je sais pas trop à quoi ça sert. Vous savez, ce genre de jeu, moi je ramasse tout au début. Comme je sais pas trop à quoi ça sert, je ramasse tout. Je me dis ça servira après. Alors, ils vont faire une cérémonie pour les cabanes. Oui, ces gens sont bizarres. Ces gens sont bizarres, mais ils vont faire une cérémonie pour les cabanes. Il faut qu'on aille chercher notre frère, qui s'appelle Amam. Il est juste là. Ok, Amam a l'air d'être un petit con qui veut toujours faire des conneries. Alors, je te vole ça, Amam, au passage. Il semblerait qu'en fait, les gens de ce village ne quittent jamais les falaises. Donc, on n'a pas le droit de sortir des falaises. Bonjour. Ah non, c'est mon frère. Il nous a dit de prendre un peu à bouffer, épingler de la nourriture pour la manger quand on veut. Intéressant. On va épingler un aliment, on va épingler, les patates. Et on va la manger. Ah, ça régénère aussi notre énergie, d'accord. Bon, direction le lieu chelou où il veut m'entraîner, là. Ah bah, il est juste là. Il y a peut-être autre chose ici, non? Attends, j'arrive, hein, frérot, j'arrive. T'en fais pas, je fouille un peu avant. Il y a rien, d'accord. Bon, tu veux me montrer quoi? Il m'a donné une fronde. Hop. Et ça fait... Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est un tuto, c'est bien expliqué, c'est cool. Et voilà, le frère qui... Ah, il m'énerve, je vais le frapper. Bon, où est-ce qu'il est? Attends, il y avait un autre chemin. Autre chemin qui ne sert à rien, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a trouvé une épée. Oh, tiens. Là, il y a des trucs à tirer dessus. D'accord, ça ne fait rien. Donc, il est content, il a trouvé une épée. Je récupère le bois au passage. Et on a aussi l'épée maintenant. Alors, c'est la gâchette pour donner des petits coups. J'ai buté mon frère. On peut charger pour faire une attaque plus puissante. Oh, très stylé, très très stylé. On peut aussi donner des coups de pied, je suppose ça sera genre pour briser la garde ou des trucs comme ça. On a un dash en combat avec la touche B. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh là 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 là. Ah mais carrément, ah bah voilà, mon frère est mort. Fin du tuto, le frère est mort, écrasé sous les rochers. Non ça va, il est vivant. Il est vivant et il a une énigme qui dit gauche, gauche, droite. Ah, je suppose que ça doit être un truc comme ça. Gauche, gauche, droite. C'est bon, ça a marché. Putain, mais plutôt que partir à la cérémonie, ce pourquoi on était venu le chercher à la base, il s'engouffre dans la grotte. Il est pas possible, je vous jure que c'est un petit merdeux celui-là. Tiens, je vais récupérer ça. Enfin, je vais l'allumer. Si j'y arrive. Si j'y arrive pas, voilà, c'est bon. Je fouille un petit peu cette grotte avant d'aller voir mon frère. Ah bah voilà, la pierre et des baies. Bon, mon frère est juste là. Il y a des sortes de peintures de nos ancêtres, mais c'est pas logique parce que nos ancêtres disaient ne jamais avoir quitté le village au sommet, donc c'est un peu étrange. On va aller prévenir la tribu. Ils savent peut-être quelque chose ou peut-être qu'ils savent rien du tout en fait. Franchement, pour l'instant, le jeu est propre. Le jeu est vraiment très propre. On me dirait ça coûte 30 balles, je te dirais ok, c'est legit, ça a l'air d'être un jeu complet. Parce que de base, c'est quand même un open world. C'est un peu à la Zelda Breath of the Wild. Ah bah tiens, la mamie est déjà là. Elle va nous défoncer pour être allée ici. Bon, bah, elle a pas voulu nous écouter quand on lui a expliqué qu'on allait trouver quelque chose dans la grotte. Elle nous coupait la parole en disant qu'il fallait être à la cérémonie. Donc on va se barrer à la cérémonie. Mais après, le frère, il se doute de quelque chose. Il se demande si la grand-mère est pas déjà au courant que des ancêtres sont passés par là. Ah ok, la cabane, en fait, qu'on a fait, enfin, on a aidé, et dont on fait la cérémonie, c'est pour nos parents. Mais de ce que je comprends, en fait, ils font que ça, ils font que des cabanes dans les arbres, ils vivent depuis des générations au-dessus de ces arbres. Il y a l'air d'avoir un problème. Et bah voilà, plus de cabanes.
Et voilà, bah, je suis mort aussi. Fin du jeu. Je tiens à préciser, j'ai oublié de le préciser, je crois que c'est une bêta. Donc, il est possible qu'il y ait des bugs, qu'il y ait des choses pas très logiques qui seront bien entendu rectifiées par la suite. Bon bah finalement il y a de la vie en dehors de ces montagnes contrairement à ce qu'il pensait. Ok, c'est un marchand en fait qui va vagabonde un peu dans le monde. Il nous a dit qu'il pouvait nous aider mais qu'en échange il fallait qu'on l'aide. On va voir ce qu'il nous veut. Ah, je vais récupérer du bois. Attends, j'arrive à te parler, je vais juste récupérer un petit peu tout avant. L'inventaire a pas l'air d'être illimité. Il y a l'air d'avoir... Il y a l'air d'avoir 16 slots d'inventaire. On aura probablement des coffres ou un truc comme ça après. Bon, il me veut quoi le marchand? Ah ok, le pont qu'il devait emprunter a été cassé à cause de l'éboulement. Et nous, il nous dit qu'il faudrait qu'on passe par là pour rentrer chez nous. Et qu'il a inventé un objet pour détruire la barricade qui est juste devant. Alors, faut qu'on lui fasse 2 cordes de bois. Ok, on va faire ça. Maintenant, il faut quoi? Carseille, 0 sur 6, carseille. C'est quoi de la carseille, c'est ça? Ah oui, c'est une plante. Ok, bah 2, ça devrait suffire. Nickel, on a tout pour lui. Il m'a donné un fût explosif, qui doit, je suppose, être une bombe. Alors, il a expliqué qu'on pouvait juste tirer dessus pour le faire péter. Donc, on va essayer ça. Oula, 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 doucement. Ok, nickel, bah écoute, c'est parti, on rentre chez nous. Bon, si notre famille est encore en vie, parce que putain, tout s'est effondré, quoi. Alors, où est-ce qu'on est? Il y a un ascenseur là avec un système de fronde. Ça devrait suffire, je pense. Ok, nickel, par là maintenant. Pour le moment, c'est vraiment très, très propre comme jeu, hein. C'est vraiment pro. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait comme mode jeu, mais ça a l'air d'être un de leurs premiers jeux. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça a pas l'air très gentil, il va falloir se battre. Il y a un système de lock, ils disent. Oh, what the... Ça va, le combat était assez simple, on loot. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a une torche ici. Ah, il y avait encore du loot. Ah, j'ai pris la... J'ai planté la torche par terre. C'est bien ça de pouvoir la planter par terre. Ah, là, il y a quelque chose, un mécanisme. D'accord, c'était pas qu'une torche, c'était aussi une clé. Un petit levier. Bon, où est-ce qu'on est? Ah, on est dans la grotte où il y avait mon frère, ok. D'accord, là où il a trouvé l'épée. Les coffres respawn, c'est bon à savoir. D'accord, donc oui, effectivement, on est juste à côté du village. On n'est pas tombé de non plus très très haut. Enfin, quoi qu'on a pris un ascenseur quand même dans la mine. Bon, allons voir les dégâts. Que ça soit sur les cabanes et aussi sur les membres de notre famille. Parce que bon, c'est pas que tout s'est effondré et qu'il y a probablement eu des morts, mais quand même. On a une jauge de stamina qui se vide assez vite. Je suppose qu'on va pouvoir après upgrade notre personnage. Oula, mais tout est détruit ici. Tiens, il y a de la mousse, je prends. Oula, il y a plein de temps. Bon, ça devait être là avant, je pense. Ah oui, il y a eu des sacrés ravages quand même. La cabane qu'on a construite, elle est complètement tombée. Bonjour, I'm back, bitches. Alors, ils viennent de me dire que mon frère est mort, qu'ils ont trouvé son corps et tout. Mais comme je suis un peu con, bah plutôt que dire ah d'accord, et bah je pars chercher mon frère, sachant qu'ils ont trouvé son corps. Hein. Il est mort. Hein. Donc je vais chercher son corps, hein, l'écouter s'il est mort et que je les crois pas. C'est un peu con quand même. Hein. Là, on dit que ton frère est mort. Tu pars quand même vérifier s'il est vraiment mort. C'est pas super intelligent quoi. Il y a sa carte qui est restée là. Donc ils sont en train de dire que on devrait revenir dans le village et reconstruire d'autres cabanes. Mais est-ce que nos frères auraient voulu? Mais non, notre frère il avait envie d'aventure. Donc non, notre frère aurait pas aimé qu'on reste sur ces falaises qui sont en plus dangereuses. Comme l'a dit le marchand, c'est pas la première fois que ça arrive et que ce sera pas la dernière. Notre frère aurait pas aimé qu'on reste dans ces falaises de ses morts, quoi. Ah bah on est redescendu. Donc c'est vraiment un open world, hein. C'est un peu à la Zelda Breath of the Wild. Moins de budget, c'est sûr. Mais c'est open world, il y a des créatures, il y a des énigmes un peu partout. Donc à voir comment ça va se passer. Premier pas modeste. Il y a maintenant la carte. On va y voir cette carte. Elle est pas très grande. Ah quoique. Ah quoique. Quoique, elle est pas dégueu en fait. On peut aller
aller où on veut maintenant, je tiens à préciser. On va chercher Sud. Sud, c'est le marchand qui nous a trouvé quand on s'est cassé la gueule. Ah, je le vois. Enfin, je le vois pas lui, mais je vois sa créature bizarre là. Tu peux suivre des relations d'affinité avec les espèces dans le. Oh, c'est génial. Les boîtes de dons se trouvent le long des chemins. Lors du don, les objets seront transférés dans le village concerné. Donc on peut être. Oh là là, en fait, toutes les créatures sont pas forcément méchantes. On a une sorte de bestiaire qui nous montre un peu des créatures, aussi des plantes et tout, d'accord. Deviens ami avec une des espèces de l'île. Il y a un coffre pour un village. On va aller voir ça. On va leur faire des offrandes, ils seront contents. Du poivre, c'est pas mal ça le poivre. Hein, je suppose qu'il va me falloir une pioche ou un truc comme ça. Grès de sable. Utilise une boîte de dons pour offrir des articles à n'importe quel village. Le village silence de la falaise. Ok. Bah écoutez, je vais vous donner. Ouais, donc là ils sont hostiles. Je vais vous donner. Mais même si je leur donne tout, ils sont pas contents à fond. Là ils sont neutres avec moi. Entrez dans le village amical. Donc faut devenir ami avec les villages, sinon ils nous attaquent. D'accord. C'est un petit peu pute, mais ça paraît logique quand on y réfléchit. Par contre, j'ai plus rien. J'ai plus de bouffe. Ah si, j'ai encore de la bouffe. Mais j'ai plus de ressources. Bonjour, c'est vous le chef ? Ah, c'est un marchand. D'accord, c'est un marchand. Il échange pas avec moi si on n'est pas amis. D'accord. Ils veulent pas me parler parce qu'ils me connaissent pas. Mais donc, si j'étais venu alors qu'ils étaient hostiles, on se serait battu, c'est ça ? Silence. Population, aliments, matériaux. Ça semble indiquer la richesse et la population de ce village. Les totems d'un village représentent l'espèce, la force du village qui occupe le territoire. D'accord, intéressant. Donc de loin, tu peux quand même savoir ce que le village propose, quoi. Ça doit être le chef, ça. Oui. Donc là, on explique donc au chef qu'on cherche un endroit où installer notre village, mais elle nous explique que c'est un monde dangereux ici. Et elle va quand même faire en sorte qu'on puisse avoir un bouclier. Les disques sur les plateaux mettront en route à chaque fois qu'une action d'affinité est exécutée. Donc ça, c'est les affinités par rapport à chaque groupe. Donc là, on a du hostile. Ils sont en ami avec les deux groupes ici. Ok, d'accord. On a enfin un bouclier. Retrouver le chef. On va aller voir le chef. D'un côté, j'ai envie d'attaquer les créatures de l'île. D'un autre côté, je sens que ce serait une mauvaise idée d'essayer. Donc là, ils veulent qu'on aille... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un de leurs amis? Ou c'est un prisonnier? Wow, wow, calme. Oh, aidez-moi, il veut m'attaquer. Je pense que c'est une créature d'un autre village, mais comme je suis pas encore ami avec eux, ben voilà quoi, il me suit ou pas? Non, je vais quand même me barrer un peu plus loin. Franchement, c'est super intelligent ce qu'ils ont fait, je trouve. Je suis en admiration devant le truc, parce que, bah déjà, c'est pas moche. Les animations sont pas folles, mais ça passe. Le système d'amitié avec les différents monstres qui vivent sur l'île, c'est super intelligent, je trouve. Parce que c'est vrai que Zelda, on bute tout, mais on cherche pas forcément à les comprendre. Je pense qu'on va se laisser là pour cette découverte, histoire de pas trop vous spoiler. J'espère vous avoir donné envie de jouer au jeu. En tout cas, moi, j'ai adoré. Je trouve que le jeu est super intéressant. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous !